Salut les jeunes, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux. On va passer quelques jours ensemble. On va bien manger, ça a déjà bien commencé. On va bien partager, on va bien coopérer. On va bien rigoler, forcément. On va remettre quelques idées reçues en place, on va préciser quelques petites choses. Et puis on va sortir de là avec une nouvelle proposition pour les politiques agricoles communes. L'exercice que l'on vous propose, rapide, simple et efficace, c'est de se mettre d'accord sur ce socle commun, puisqu'il semblerait que partout dans le monde, il n'y ait qu'une façon de faire de l'agronomie. Et partout, ça se vérifie. Une seule façon, et cette définition de l'agroécologie dont on va beaucoup parler, finalement, elle repose sur deux piliers, et deux piliers essentiels, que sont la couverture végétale, horizontale, avec les couverts végétaux, les pâturages tournant dynamiques, etc., etc. Et puis l'autre pilier, qui est l'agroforesterie. Donc on va commencer à faire un duo avec Conrad, hein, place aux vieux, n'est-ce pas François? Et puis François, dans un second temps, dans le temps qui nous est imparti, précisera un petit peu des itinéraires extrêmement positifs. Je serais tenté de dire, on commence à voir exactement ce qui ne marche pas aujourd'hui, et on commence à sentir, à deviner, grâce à vous tous et aux autres et aux nouveaux, je crois qu'on commence à être prêt au changement d'échelle, et notamment les travaux des agriculteurs qu'on soulignera jamais assez. Le geste premier, il est là. Il faut arriver que ce geste puisse se faire dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que ça t'inspire, Conrad ? Ah ben, ça nous inspirait que la biodiversité, c'est un sujet qui n'est absolument pas compris dans la société. C'est-à-dire que pour avoir de la biodiversité, il faut simplement deux choses. Une maison en bon état et de la nourriture à proximité ou dans la maison. Et si on arrive à faire des maisons en bon état et qu'on met de la nourriture dedans, c'est-à-dire du végétal en règle générale, eh bien la biodiversité se développe. Et on a un animal qui a quasi 500 millions d'années, qui s'est adapté à tous les changements climatiques et qui est toujours là et qui est l'acteur principal de la maison du sol et qui en fait sa fertilité. Et c'est la promesse de lendemain meilleur, un sol fertile. C'est la bataille qu'il va falloir gagner mondialement. Tous les paysans devront s'y mettre. Ça, c'est voilà ce que ça m'inspire. Et donc, on avait envoyé un slogan très simple. Un sol nu, c'est un sol foutu. Mais aussi simple que ça, vous devez l'accepter et le comprendre. Ok, on est d'accord, sol nu, sol foutu. Bon, alors on continue. Sol biné, sol labouré, sol sarclé, sol aéré, sol exposé aux UV. Ah mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a un post-it dans ta diapo. Donc, du travail du sol récurrent et permanent, du désherbage sur des sols nus, des mottes. Difficile à faire les mottes et difficile à défaire. Des plantes envahissantes et les coquelicots, plantes qui nous annoncent le désert. Des températures de sol qui montent aux extrêmes au printemps et à l'automne, des matières organiques qu'il faut importer, qui coûtent cher et dont on va se battre pour les avoir, des sols lessivés, érodés qu'il faut drainer, qu'il faut arroser tout de suite, des pâquerettes, des sols qui ne poussent plus, une végétation basse, l'exportation des pailles, de la culture hors sol, posée sur le sol, des pâtures abîmés, épuisés et surpâturés, des champs toujours plus grands, démembrés, désarbrés, de l'eau qui fuit, des estuaires bouchés et des paysans à la rue. C'est ça la situation actuelle, Conrad ? Oui, c'est à peu près ça. Et puis on aurait pu rajouter un gilet jaune par-dessus et ça aurait été parfait. Puisque personnellement, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il annonce la paupérisation de la société. Et c'est inéluctable si on continue à faire cette politique agricole-là. Y a-t-il deux façons de faire de la viticulture ? Ah ben sûrement, il y en a une, c'est la vieille sol nu, sol foutu. Et à côté, vous avez les nouvelles vignes qui s'installent un petit peu partout chez les agriculteurs pionniers. Et donc là, on retrouve la couverture, la biologie, la biodiversité et la fertilité. Y a-t-il plusieurs façons de faire de l'élevage ? Sûrement. Les photos ne sont pas autorisées. Hein.
Si, si, allez-y. C'est libre de droit. Ça fait toujours rire, c'est nul, mais ça fait toujours rire. Je ne sais pas si ça se traduit bien en anglais, mes blagues, mais on verra bien. On se posait la question des bilans carbone des élevages. Et on sait aujourd'hui que nos bilans carbone sont mal faits. Parce que la vache qui rumine, elle a bien mangé de l'herbe, des branches, des feuilles, etc. Des protéines produites sur le sol qui ont capté du carbone. Donc il faudra refaire tous nos bilans pour remettre de l'ordre dans le système agricole. Y a-t-il d'autres façons que de mettre des moutons à l'ombre ? Ben, probablement, si on avait des arbres, ce serait pas mal. Ben oui, ça ne s'invente pas. Y a-t-il d'autres façons que d'optimiser ce rayonnement solaire, cette lumière qui en aucun cas doit toucher le sol ? Oui, on sait que le soleil sur le sol nu, c'est le pire ennemi de l'agriculteur. Le soleil doit toucher des feuilles, doit toucher des plantes, on doit faire de la photosynthèse avec, mais jamais laisser un soleil toucher la terre nue. Le passé, l'actualité et demain. D'un côté, on stockait visiblement beaucoup de carbone, on optimisait, on avait de la biodiversité, des microclimats, de l'eau de qualité, des paysages de qualité, une agriculture diversifiée et productive. De l'autre côté, on a une agriculture qui s'appauvrit. Elle est quasi improductive. On faisait des bilans très simples. Combien de jours sans photosynthèse dans les champs ? Voilà une question intéressante. Et finalement, sur la région Occitanie, c'est 150 jours de sol nu par hectare et par an en moyenne. C'est-à-dire de quoi faire une deuxième culture. Et ensuite, on appelle notre agriculture intensive. Enfin, il y a des bugs. Vous voyez, il y a des erreurs dans les raisonnements. Si je zoome encore un petit peu, que voit-on sur cette image ? On voit des choses simples, on voit des sols qui vont être mis à nu ou qui sont nus, et on pense que le petit bois au milieu, il va compenser toutes les erreurs de gestion de l'agro-système. C'est-à-dire, l'idée générale qui a germé, c'est la compensation écologique. Et on sait que ça ne marche pas. C'est-à-dire, la biodiversité et le carbone, il doit revenir dans toutes les parcelles sans exception. Ça veut dire que le bois au centre de mon image n'aidera pas la parcelle qui est complètement érodée, dans laquelle les cultures ont du mal à pousser. Non, jamais. Donc jamais. La compensation écologique, ça ne marche pas. Absolument jamais. Donc il faut voir autre chose. Oui, il faudra mettre du carbone dans le champ qui s'érode et qui s'en va. Alors, je zoome encore un peu. Oui. Ah ben là, c'est la catastrophe. On pourrait dire que quand on voit ça, un champ de tournesol dans cet état, c'est les prémices du désert qui arrivent. Alors du coup, je zoome encore un peu. Voilà, et dans ces champs-là, on a mis énormément d'énergie fossile à faire une motte qui devient dure comme du béton. On voit encore la trace de la dent sur la motte. Et il faudra encore plus d'énergie pour détruire cette motte. Alors, remuer la terre, c'est travailler, on le sait. Mais là, est-ce qu'on ne travaille pas un peu trop et un petit peu mal ? Je dézoome et je te propose donc un constat, une situation actuelle. Voilà où nous en sommes en février 2019, avec 4600 mesures agro-environnementales au catalogue. Alors l'idée, c'était de les supprimer toutes, puisqu'elles servent strictement à rien. Ça fait 20 ans qu'on fait de la MAE, et ça fait 20 ans qu'on a des nitrates dans l'eau, des pesticides dans l'eau, des pesticides dans l'air, de l'érosion, de la perte de sol, de la perte de carbone, de la perte d'insectes, de la perte de biodiversité, plus d'abeilles, plus d'oiseaux. Bon, cherchez l'erreur. L'idée, c'est de recarboner le système agricole complètement en couvrant les sols. Est-ce que ça te plaît un peu plus ? Ah ben ça me plaît beaucoup. On voit revenir l'intensification de la photosynthèse sur chaque mètre carré. Et cette intensification de la photosynthèse va vous donner des sols fertiles parce que
On a une conviction, on l'a même prouvé, François vous le montrera, c'est la plante qui construit la terre fertile sur laquelle elle prolifère, et mieux que tout, pour pousser toute seule sans intrants. Et nous, agriculteurs, on a la première fois de l'existence de l'agriculture, quasi, la possibilité de mettre ça en application dans nos parcelles agricoles. Donc, on vous propose de ne pas se priver. C'est ce qu'on a démarré. Vous semblez dire, Monsieur Schreiber, qu'on ne confondra plus productivisme et productivité. Tout à fait. C'est le productivisme et tous les noms qui finissent en isme, ils nous posent quelques petits soucis. Donc, on va rentrer dans la fertilité et la productivité de l'organobiologique, c'est-à-dire du système organobiologique qui commande toute la vie sur la Terre. Ça veut dire qu'on ne confondra plus non plus fertilisation et fertilité, c'est pas la même chose. Tout à fait. Fertiliser, c'est détruire les sols si vous n'êtes pas capable d'en restaurer la fertilité. Et la fertilité, c'est quelque chose de très simple. Plus un sol mange du carbone, c'est-à-dire de la paille, du bois, des feuilles mortes, des racines mortes, plus le sol mange du carbone, plus il développe la biologie, et cette biologie nous produit de l'azote en retour. Fertilité des sols, je mange du carbone et je chie littéralement de l'azote. Voilà. Comme ça, c'est dit, vous en rappellerez toute votre vie. Hein ? Bravo. Il fallait le dire, il fallait le dire. Vous qui avez fait votre carrière dans l'élevage, oui, la ration des vaches, et qui avez démontré que l'élevage stockait beaucoup de carbone, le sol a vraiment besoin de cette ration quotidienne de matière fraîche. Oui, ça c'est la grande surprise. Tous les jours, le sol doit manger sa ration de carbone. C'est pour ça que la nature nous a inventé une litière, justement. Allez, on va mettre quelques images pour accélérer, pour voir ce que c'est que la ration du sol en élevage, avec des pâturages tournants dynamiques, des couverts tout aussi dynamiques, des fruitiers qui arrivent, des peupliers pour faire du déroulage, pour fabriquer des boîtes de camembert, des cajots, des trognes chères à notre ami Dominique Mention qui interviendra tout à l'heure, qu'on taille et qu'on retaille, et puis des mini-trognes pour que les vaches aillent chercher la nourriture toute seule sur les haies. Cette notion d'indicateur, est-ce qu'elle est importante? Mettre l'agriculture sous indicateur de résultats et non pas des objectifs hypothétiques de moyens. Oui, c'était la grande idée. C'est-à-dire que ce qui compte, ce n'est pas les moyens qu'on met en œuvre pour faire quelque chose. Ce qui compte, c'est le résultat de ce que vous faites, des fois avec beaucoup de moyens et des fois avec quasiment rien. Et donc, mesurer un résultat, c'est beaucoup plus juste que d'avoir une obligation de moyens. Et dans ce débat-là, il était très simple de faire le tri, c'est-à-dire c'est pas parce que j'ai une agriculture biologique que je suis bon, c'est pas parce que j'ai du glyphosate que je suis bon, on va mettre tout le monde d'accord, ce qui nous intéresse c'est les bons résultats de toutes les pratiques agricoles qu'il s'agit d'identifier et de développer. Et donc on rentre dans l'ère de l'agriculture bio avec un grand B, un tiré du 6 sur un ordinateur et un grand L pour faire logique. C'est la logique de la biologie qui doit être mesurée et les résultats qu'elle apporte. De la porosité, de la respiration du sol, de l'activité biologique, ça veut dire qu'on regarde aussi quelle énergie on met en œuvre pour produire. Ah ben tout à fait, on est dans l'ère du pétrole. Donc quel est le bilan énergétique de mon acte de production ? C'est évident. Alors, est-ce qu'on va faire confiance aux plantes ? Ben, moi, je pense que oui, parce que quand vous voyez ça, ça pousse tout seul, vous ne l'avez jamais semé, et elle va vous démolir le béton. Et regardez, elle est en train de démolir le béton. Un peu de paille au bord d'une route, et il y a la plante qui pousse. Ça, c'est pour François, ça va lui plaire, ça. Et si vous avez le malheur d'enlever le cantonnier, laissez ça 10 ans, et vous aurez un arbre. Eh bien, en voilà des arbres. Ah. Variez toutes ces formes. Agroforestière, en voilà d'autres encore, en symbiose avec les cultures. Ça, c'est la nouvelle agriculture. Oui, et je pense que je peux remercier ici Ademir Caligari, qui est là, parce que en partie, on a réussi à faire ça grâce à lui, grâce aussi à un de nos maîtres qui s'appelle Lucien Segui, qui a fait ça au Brésil avec vous.
Et donc, on se rend compte que cette agriculture-là, elle a un potentiel de désherbage biologique complètement insoupçonné. C'est-à-dire, ce n'est pas en travaillant la terre qu'on va désherber, mais c'est bien en utilisant les plantes qu'on réussira le défi. Le sol a sa ration, il est nourri. Oui. Les vers de terre sont à l'aise. Tout à fait. Nourrir le sol, c'est nourrir l'humanité. C'est ce que l'on pense. C'est-à-dire que restaurer les sols, couvrir les sols, nourrir la biodiversité, augmenter la fertilité, stocker du carbone, on va se rendre compte que l'agriculture, c'est le seul outil climatique rentable pour lutter contre le changement climatique que la société possède. Alors, quand est-ce qu'on réagit ? Un sol couvert, il divise par deux sa température. Et en plus, il va stocker du carbone. Et on voit qu'on devient très fort quand on fait appel aux plantes. Donc les plantes avec leurs petits bras musclés, ces petits bras musclés qui font tout avec rien, puisque les plantes sont des productrices et que nous, pour avoir des gros muscles, il faut qu'on consomme beaucoup de protéines. C'est ça qui nous intéresse, les petits bras musclés des plantes, oui. avec éventuellement des petites racines sympathiques. Voilà, donc ça c'est les grosses surprises quand les agriculteurs et les techniciens, les scientifiques travaillent. On voit bien qu'on aura un gros problème sur les plantes. D'un côté, un gazon minable que j'ai tondu tout le temps et qui fait absolument aucune biomasse. Et de l'autre, une biomasse absolument ahurissante, sur et dans le sol. Et là, on est à peu près sûr qu'on réussira le défi. Protéger, nourrir et protéger en même temps. Du coup, on sort de l'agriculture de la réparation pour entrer dans l'agriculture de la prévention. On arrête de contourner les règles et on fait avec les règles de la nature. Oui, c'est quasiment sûr. Quand vous voyez ces photos, vous êtes plutôt très satisfait. Donc de la pédagogie, de l'explication ? Oui, plus que jamais. Et faire avec les élèves que l'on forme, c'est ce qu'il y a de vital. Allez, on fait confiance aux plantes. Et on laisse la place à François Mullet. Merci, Conrad. Bonjour à tous. On va faire assez simple et assez rapide, parce qu'on a déjà mangé un peu trop de temps. La grande question, c'est donc, est-ce qu'on va faire une révolution verte ? Ou est-ce qu'on va faire une révolution verte ? Une vraie révolution verte basée sur le végétal, la biologie et la fertilité naturelle des sols. Cette nouvelle agriculture va nous prendre du temps. Ça va prendre quelques décennies, peut-être même plus. Mais en fait, aujourd'hui, on sait déjà, comme tu l'as dit Alain, ce qui va marcher, ce qui ne va pas marcher. On va encore faire des erreurs, des tâtonnements, mais on a déjà une très bonne idée de ce qui va fonctionner. Aujourd'hui, notre principal modèle, c'est celui-là. Des fois, il a une belle allure, mais en fait, on sent bien qu'il y a un petit problème, on en a déjà parlé. Le petit problème, on le voit quand on regarde de près. On se rend compte qu'il est nu 50% du temps, ce sol. On se rend compte, surtout, et ça c'est un véritable problème, un des plus gros problèmes, il ne résiste pas à l'eau. On s'en rend vraiment compte quand on regarde sous le sol. Là, ça saute aux yeux. Pour y arriver, pour arriver à cette transition agroécologique, il va falloir remettre le végétal. Et le premier outil dont on dispose, c'est les couverts végétaux d'interculture. Partout où on va pouvoir, partout où le sol est nu, quelques mois, quelques fractions d'années, on va remettre une plante pour couvrir, empêcher l'érosion du sol et maximiser la photosynthèse. On s'est aussi rendu compte que le travail du sol, qui était une technique ancestrale en agriculture, était un énorme problème et qu'il allait falloir le réduire au maximum. Ça signifie, en fait, faire du semi-direct sous couvert végétal pour limiter les dégâts du travail du sol et pour aider à la reconstruction des sols. Voilà à quoi va commencer à ressembler cette nouvelle agriculture. On s'est aussi rendu compte que pour maximiser la production de biomasse, il allait falloir diversifier les variétés. Voilà, un magnifique couvert végétal, non pas monospécifique, mais multi-espèces, qui va produire encore plus, se structurer encore mieux, ramener encore plus diverses formes de biodiversité. Je rappelle que la biodiversité la plus importante, elle est dans le sol, mais sur le sol, ça compte aussi. Et un autre aspect, c'est de mettre des plantes géantes. Donc ici, on est chez Christian. Et Christian, c'est sans doute le plus grand producteur de plantes géantes de France.
parfois très géantes. Il va falloir arrêter, les cultures au ras des pâquerettes, il va falloir maximiser, produire de la biomasse. On a aussi été encore un peu plus loin. Alors il faut le savoir, déjà quand on a commencé à produire des plantes géantes et à couvrir le sol en permanence, on a déjà égalé en termes de production de biomasse ce qu'est capable de faire la nature. C'est quand même une question qui nous a taraudé pendant 20 ans. Est-ce que nous, pauvres humains, on va réussir à faire aussi bien ? Arrivé à ce stade de la démarche, on a déjà fait aussi bien, mais on va pouvoir faire encore mieux. On installe des plantes pérennes qui vont pouvoir faire en sorte que le sol ne soit jamais nu. Donc ici, c'est un semis de blé. Alors on ne voit pas le blé, il vient d'être semé. C'est un semis de blé dans du trèfle blanc, en Normandie. Et ici, le sol ne sera plus jamais nu. Il sera toujours couvert. Et on va dedans mettre des plantes annuelles. On va mettre des plantes annuelles dans des plantes vivaces pour que le sol ne soit jamais nu. Et ensuite, évidemment, l'arbre, sous toutes ses formes, en toute saison, de mille manières, néanmoins, il y a des règles. L'agroforesterie, c'est pas comme on veut, n'importe comment, ça se travaille, ça se construit. L'arbre qui va devoir revenir partout. Un des leviers majeurs, trop oublié, l'eau. Les grandes civilisations se sont construites sur l'eau, et ça va être un levier majeur pour optimiser l'utilisation du soleil, et notamment faire pousser ces plantes géantes. L'eau, la forêt utilise l'eau pour croître, pour maximiser la production. On va simplement faire pareil. L'eau, c'est pas une pollution, c'est pas vider les nappes phréatiques, c'est pas anti-écologique, c'est normal, c'est naturel. Il faut, par contre, le faire bien. Ici, on est en maraîchage. Moi, je suis spécialiste du maraîchage. On a appris, dans le réseau maraîchage sol vivant, à mettre en culture des prairies. Au lieu de les labourer, déchaumer, cultirater, rotobêcher, machiner, on a appris à mettre en culture les sols vivants sans travail du sol. Ça, c'est ce qu'on a fait pendant 10 ans. On a mis en culture, avec des très très bons rendements, des sols vivants sans jamais les travailler. Alors ici, on l'a fait avec du plastique, parce qu'on n'avait que ça comme outil. Mais on a appris à le faire avec des plantes mortes, qui servent à désherber des plantes vivantes pour faire pousser de nouveau des plantes vivantes, qui produiront des plantes mortes, qui permettront de désherber pour faire des plantes vivantes. Donc vous avez ici la société Géochanvre qui produit ces matériaux-là, qui vont nous permettre demain d'éliminer les plastiques en maraîchage et de mettre en culture nos sols vivants uniquement avec de l'organique. On a aussi appris à faire des choses avec ça. C'est un enjeu absolument majeur aujourd'hui. Comment je remets en vie ça ? Alors on fait un peu de ménage, il faut un peu de moyens. Ensuite, il faut de la matière organique. Pas qu'un peu, parce qu'il manque quand même, à ce moment-là, 200 tonnes d'humus à l'hectare. Il faut les trouver, il va falloir faire le boulot. On le met où il faut, quand il faut, au bon moment. Ça, c'est notre job, c'est notre expertise. Il faut parfois, encore une fois, des gros moyens, parce que gros problème, gros moyens. On met la matière organique de la bonne manière, au bon moment, au bon endroit. Et quelques mois après, ça repousse. Voilà aujourd'hui à quoi va ressembler cette agriculture, et voilà un peu ce qu'on sait faire aujourd'hui. Et donc c'est un survol assez rapide. Nous avons maintenant 4 jours pour en discuter un peu plus en profondeur. Je vous remercie.